Bah là je vais sur Brawlhalla, enfin histoire de m'entraîner et m'échauffer en même temps. J'attends l'autre là, cet enculé, il m'a lâché pour aller à match. Donc je l'attends là. Du coup là je joue comme des bots, m'échauffer et m'entraîner direct. Ça me fait bizarre de reprendre la manette parce que tout à l'heure je suis en train d'appeler les souris. J'étais un peu plus fluide dans mes déplacements, le coup de soleil, je vais pas vous mentir. J'étais un peu moins nawak. Parce que je faisais 20 secondes sur mon tour. Parce que si je me trompais, c'était bon. Attends, lui il est low là. Hop. Oh, c'est quoi de ça? Ah, j'ai essayé de faire un truc, mais il y a la plateforme qui m'a cassé la tête juste au-dessus. Oh le con! Bon, ça sera pas pour aujourd'hui. Tac. Hop, ok. Non, non, c'est bon, c'est pas la tête. Fais gaffe toi avec la bombe. Là je joue Coin Knight parce que je l'ai acheté ce matin là, tu sais, j'ai eu le temps de jouer, j'ai pas pu jouer beaucoup parce que j'étais pas là. Après je faisais rien que j'aurais fait un live. C'était pas trop possible au final. Ah j'ai pas réussi à bien le caler. Ok c'est bon, moins 1, hop. Le dash il est super abusé, genre quand vous voyez que la barre elle est violette, il y a juste un mettant dash et vous êtes sûr, enfin t'es sûr de le dégager. Triple jump, hop, je sais pas pourquoi j'ai pas pensé à ça plus tôt. Hop, ouais, hop, c'est bon. J'aurais dû l'éliminer avant lui parce que du coup il va être relou là pour moi. Avec son gros lance-roquette là. Ça dégage. Ah non, il est toujours là. Il va me casser la tête jusqu'où? Non, il va pas rester le temps. Attends, lui déjà là il va dégager. C'est une petite tête. Ah putain, j'arrive pas à le caler. Là j'aurais pas dû le caler en l'air. Enfin en bas. Hop, ça dégage. Reviens pas, reviens pas. Bon, voilà. Il est quand même revenu parce que je l'envoie sur le côté. Ah, le bâtard. Pourquoi je pouvais pas remonter? On dash vers le haut, on a l'impression qu'il était parti vers le bas. Tout, tout, ça part. C'est bon, j'ai ma lance. Trop mal avec moi. J'ai pas trop ça. Non, non. Et voilà, je pouvais pas sauter. Ça fait trop, deux voire trois fois que je fais la même erreur. C'est ça qui me saoule, les maps comme ça.
Avec le vide là, je pense. Ouais. Alors. J'ai lancé live, hein. Ok. Vas-y. Tu me dis dès que t'as fini, tu peux venir. Ouais. Attends. Oula. Attends, je finis juste le combat. Hop, ça dégage aussi. Ah ouais, ça bouge carrément. Ah, ça s'est redescendu au même level. Allez, 1v1. Ah, il a plus de vie que moi, hein. J'ai intérêt à frapper. Ça va. Avec Queen Nain, le truc c'est qu'elle a beaucoup de vie. Elle frappe bien, elle a beaucoup de vie. Genre là, je prends plusieurs coups et je suis toujours au même stade de vie. Alors que lui, il a pris un coup, c'est bon, on peut plus. Après, ça dépend des combos. Hein? Ça dépend des combos. Ouais, aussi, mais genre, elle a. En fait, l'attaque et la défense, elles sont, c'est le plus haut en fait. C'est pas équilibré, c'est genre, elle est pas hyper rapide, mais elle a une bonne défense et elle attaque super fort. Ok, c'est bon, mais ils sont morts. Bon, bref, je finirai pas. Vas-y, je te join. C'est Queen Nail avec tu main. Bah, je la main pas, j'essaye de la jouer. Vu que je l'ai acheté et que j'aurais pas mon. Ou machin, tout le temps. Vas-y, appuie sur C. Hein. Attends, je cherchais juste un truc. Attends, toi, il est ton bot de vin, il est level 5. Moi, mon Wuchong, il est level 6. Et ma Queen Nai. Oh, pourquoi j'ai pas direct mon bâton là? Oh. En fait, je l'ai pris parce qu'elle a un bâton, hein, sinon c'est pas elle que j'aurais pris. Parce que j'aime bien. Enfin, la lance. 3, 2, 1, et j'ai perdu tout. T'as fait quoi? Ah, je regardais mon téléphone en même temps, enfin je le replaçais bien. Et j'ai fait une arme, du coup. Tiens, déjà toi tu me dis une arme. Enfin, bien évidemment, l'arme que je veux pas. Tiens, ah voilà, c'est bon. Là je pars jouer mieux déjà. Hop. Déjà que j'ai une vie en moins, on va éviter de se le faire niquer. Bien vu. C'est bon, yes. Ok. Vas-y, on refait la même attends, ou pas? Attends. Je m'en vais là. C'est bon. Allez, ça dégage. Tac, tac, tac. Attends. Ah non, ça sert à rien. Je vais dégager avec un dash vers le bas, mais vu qu'elle était pas montée. Attends, tu vois là. Là, non. Oh là là, je vais me trouver. Non, c'est bon. Ah, je me prends en plein milieu. Allez, moi, ah, merde, j'ai plus d'armes. Ah, ils m'ont pris toutes les armes sous le nez. Hop, ça part au four. Attends, je vais t'aider. Hop. T'as vu, je me suis quand même amélioré, hein. Ouais. Hop. En fait, ce matin, j'ai traîné contre des bots un peu. Genre. Ah merde. Ah non, elle m'a chopé, j'ai voulu lui mettre un dash vers le bas, elle l'a chopé. Oh non. Ah, c'est con. J'étais focus sur mon lancer de truc. Attends, il me faut l'arme. Pour avoir mon bâton. Yes. En fait, son attaque, elle est plus compliquée à placer pour elle qu'avec le... ou machin là. C'est bon, moins 1. Hop. C'est bon.
Ils ont ragé. Bon, j'étais un peu carré hein, sur celui-là quand même. Oh, nice. T'as eu quoi? J'ai eu une nouvelle, un nouvel atout pour Boulevard. Dextérité. Du coup, je sais pas si je joue Wuchang. En plus, je suis en violet là. C'est parce que ces attaques elles sont plus simples à placer. Ouais, non, faut que j'apprenne à jouer Nail. Oh, mais j'ai fait quoi? T'as fait elle. Oh, mais je peux pas choisir la couleur. Du coup, pourquoi ça s'est mis rose en fait? Voilà, moi je veux team orange. Parce que vu que je suis à roue. Genre, aucun rapport, hein, je m'en bats les couilles. En fait, c'est un peu de la distance la pète de Ney. Donc, c'est soit ça passe ou ça passe pas. Comme toutes les attaques en fait. Pourquoi ça m'a fait comme si je jouais qu'une manette? Je sais pas. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Genre, je pouvais pas bouger et par terre c'était écrit X. Ah, l'important c'est que là tu peux te battre. Donc, carte plein, merde. Ah, il a une de ses attaques lui avec son bâton. Il y a une attaque de zone. Oh, elle est toujours calmée. C'est insane. Ah oui, effectivement, elle met pas des petits dégâts. Hein. Attends, mais ouais, mais je spawn sur eux. T'as vu, il y a tout le monde qui a voté, il n'y a personne qui rejoint le live, c'est sûr. Hein? C'est sûr, il y a tout le monde qui a voté, il n'y a personne qui a rejoint le live. Bah ouais, j'ai pas dit que je l'y vais aussi. Oh, c'est save! Oh lolo! Oh lolo! Oh lolo! Moi tout à l'heure je t'ai carry, là c'est toi qui me carry. Non. Ah il met des trucs, ça fait mal hein. Il tape fort hein. Je suis mort. Non c'est bon. Ouais t'inquiète. Je te protège. Ah non, pas pour longtemps en fait. Vas-y, le clôture fou. Non, ça c'est toi le clôture fou, moi j'ai pas le talent. Qu'est-ce que je disais? Non! Oh, non! Ah non, le bâtard! Non, effectivement, il y a qu'une personne sur le live. Attends, je vais rajouter un truc. J'ai cru dextérité sur Mordex. Vas-y, c'est. Attends. Je vais rajouter un truc. Mention. On clique. Tu vois celui avec ses cheveux déteints là? Je vais dire comment il s'appelle. Je l'avais déjà joué. Attendez, je le mets sur question, sondage. Est-ce que vous venez sur le live? Oui, non. Bon, question, genre, ils vont me dire... comment dire? C'est mieux de faire un sondage. Ouais. Plus logique. Ah, c'est Nyx. J'avais pas d'acheter un deuxième personnage, moi. Ah si, Orion, que je joue jamais.
C'est quoi le nom de ma chaîne? C'est Toxie, hein. Oh là là! Wow! Attends, je vais quand même vérifier. Parce que je suis sûr que je suis un gros FDP. Ouais, c'est... Attends, c'est... Ouais, si, c'est ça. Avec le T et le X majuscule. Ouais. Ouais, non. Tiens, boum. Pour demain, il y a moyen que tu installes Darwin Project. C'est quoi ça? Je t'ai dit, c'est un Battle Royale à 10. Genre sur une map assez grande quand même pour 10 joueurs. Pourquoi je l'ai enregistré au lieu de le mettre dans ma story? Putain, je suis vraiment fils de pute. Et genre t'as un arc et une hache. Et genre le jeu est grave bien. Au départ, je t'avoue, je l'ai sous-estimé, tu vois. Genre au départ, je suis ouais, ça va pas être ouf et tout. Première semaine, j'ai tryhardé. Attends, là c'est, je meurs, c'est normal. Oh, j'ai fait craquer tous mes doigts de main. Je m'en bats un peu les couilles, mais je peux mentir. Merde, je me suis mis en couleur qui pue. Moi, je vais mettre la couleur orange. Attends, pour un roux, faut mettre la couleur orange. Oh, ils sont casse-couilles avec leur peau, hein. Parce qu'avec leur peau, ils peuvent t'envoyer en l'air. Ok, ça dégage. Non, merde, j'ai confondu avec ton... Avec ton Mordex. Allez, remonte. Ah, j'aurais pas dû lancer ma lance. C'est ma lance. Avec ma lance de fer. Regarde, pourquoi, à quoi ça servait qu'il lâche alors que j'étais à l'étage de dessus. Mais t'es sérieux, Thomas? J'ai pas pu mettre mon dash. C'est pas mal, mais Artemis fait tous les mêmes, tout le temps les mêmes coups. Franchement, c'est vachement pas mal, quoi. Ah ouais, non, toi tu connais pas le bruit du vautour, t'es plus dans le délire, t'es pas dans le délire cette année. Non. Encore, il y a moyen que c'est, je m'en souviens plus. Non, on l'a fait cette année. En gros, mon père et le père d'Arthur, c'est des vautours parce qu'ils sont chauves. Et on a inventé le bruit du vautour. Oh, tu m'as fait dégager aussi. C'est une pokéball. Attrapez les chiens. Non, j'ai lancé ma lance pour prendre la pokéball qui se colle sur le sol. Ah merde, je vais pas retirer le son, donc du coup il y a du son qui s'est incrusté sur le truc là. Ouais, je suis encore en vie là. Je suis chaud. Ah ouais, moi il me reste encore de vie. Tu vois, genre j'ai la barre des tâches qui... Ah, eux aussi ils ont encore de vie. Oh putain. Attends. Tu vois, j'ai la barre des tâches quand tu... Oh non. Oh le bâtard, comment il a esquive. Là, je vais t'apprendre le bruit du retour. Ah, il veut pas dégager, hein. Fils de prout. Je voulais dire prout, mais c'est pas grave. Attends. Ah. En vrai, tout à l'heure, je leur mets le même dash. Lui aussi. Bah, comme Artemis, hein. Et puis tout à l'heure, il fait ça aussi. Hein. Bah, en même temps, c'est la meilleure attaque avec la lance. Non, non! Mais tiens la bougie! Il fait ça avec le balai magique là. Avec le truc que tu mets entre les jambes. Bah, ça va. Hein. Regarde, il fait que ça. Quel fils de pute! Ah, ouais, c'est même pas Artemis, c'est horrible. Qu'est-ce que je raconte?
je me demande aussi ce que tu racontais. Pourquoi tu me racontais Artemis? Surtout qu'il y a vas-y, pas de... laisse-moi choisir la cour, parce que toi, c'est pas ouf ouf quoi. Non, non. Oui, et la speed avec Jello. Eh, pourquoi? Eh, le violet, il a disparu. Ah, c'est parce que je peux pas l'utiliser. Oh, attends, t'es vraiment un fils de pute. Ah bah non. Je peux pas mettre l'orange non plus. Je peux pas mettre mes cheveux, putain. Mordex. Moi je pense que non, y'a personne. Ok, c'est non à 100%. Ah bon? En même temps, je suis le seul à avoir voté. Qui a voté? Ah ok. Toi, t'étais dans le mal pour moi, ouais. Tu te dis, ah ouais, même tes potes, ils supportent pas. Oh non, il a chopé la lance devant moi, ce bâtard. Mais il fait quoi, Lex? Son arc à cru, c'était Minecraft. Il me sort ça comme ça. Il a cru c'était Minecraft, voilà. Mais mec, je crois en fait qu'il connaît qu'une touche. Ah non, il a trouvé la touche pour lancer. Pokéball, oh non. Non. Mais pff, mais je suis vraiment un enculé, j'en ai marre de cette map. Oh, il y a une deuxième personne. Le beurre. Vas-y, balance le beurre. Balance la sauce, Franky. Ricard, tout le temps les mêmes coups. Mais oui, putain. Oh, c'est quoi ça? On appelle ça un fucking retard. Je vais l'enculer. Je vais... Double knockout, double knockout aussi. Double spam aussi, non, 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 tu crois pas? Hop, je te balance ça. Mais non, il a pas voulu balancer, du coup j'ai plus d'armes. Donc sa mère, et j'ai pas ma lance. Attends, j'ai pas table de forain. Ah bah non, j'ai. Attends, il me faut l'arme. Tu veux pas table de forain? Mais non. T'as pris l'arme devant moi, putain, j'ai plus d'armes. Ouais, enfin, pas table de forain. C'est quoi? On peut pas voir leur pseudo? Si, on les voit à la fin du combat. Le pire, c'est les mecs qui jouent comme ça et à la fin ils disent GG. Moi. J'ai essayé de jouer avec ma manette. Ça va être drôle, déjà fini de base. Ah, je suis d'accord. Pourtant, tu t'es appelé quand même le clutcher fou, hein. Mais moi je pouvais pas le faire, je suis pas le clutcher fou moi. C'est mort et Casper. Ils ont ça à branler mec. Mort et Casper. On se prend quoi? Il s'appelait Mort et Casper. Ah ouais c'est vrai, Artemis il a le balai magique dans le cul là. Vas-y, je vais essayer de jouer de Diana. Attends, je reviens. Ah! J'ai dit que j'allais essayer. Donc, tu m'insultes pas si j'y arrive pas. Et on la met en vert parce qu'on a 0-3. Nul! Nul, Germain! Bah, t'es plus avec moi? Ah, si, c'est bon. Je peux pas jouer avec ma manette. Faut que j'installe le logiciel Konix, je sais pas quoi là. Yo. Ah ouais, j'ai oublié que j'ai acheté. Ah bah non, j'ai déjà fini ma bouteille. Et comment tu joues avec ta manette? Putain, mais pourquoi il est passé en rose? Vous me cassez les. Hein. Comment tu joues avec ta manette quoi? Je joue et je marche pas dedans. Aucun sens. Vas-y, t'as pas un logiciel ou quoi en bail dans le jeu? Non. Wow, mais moi ça marche pas. 3, 2, 1, brawl. Bah, faut d'abord que la manette elle soit détectée, espèce de trou du cul. Quoi? Faut d'abord que la manette elle soit détectée, hein, des fois faut l'installer et tout. Mais je l'ai déjà fait, hein.
Attends, j'aime pas les pistolets. À Diana. J'ai envie de l'appeler Diana, je sais pas pourquoi. Moi j'aime bien que les pistolets bah au. Au comment il s'appelle là, le. J'allais dire dinosaure, okay, mais c'est un pirate. Oh gamin. J'ai rien dit, j'ai mis son pistolet. Ok, bon. Comment on fait pour grappe avec elle? Je sais pas. Ah, je pense qu'il faut faire ça et après tu peux la rechoper. Ah, bro. Attends, je vais choper les pistolets, j'arrive pas à jouer l'arc. Je connais pas les combos de l'arc. Ah putain, j'arrête pas de lui caler une seule balle. Putain, ça me casse les couilles. Tiens, hop. Hop, hop, hop. Ah, mais aussi, il joue au corps à corps, ce bâtard. Hop. What? Tu m'as envoyé? Ah, mais il y a un autre boulevard. Ouais, non, mais c'était pas lui. Parce que lui il était à l'autre bout, toi c'était le pirate qui était sur toi. Je sais jamais comment. Ah, il a envoyé son pote dans le vide. Non, c'est moi. Oui, non, mais en fait vu qu'il avait mis une mine, et bah il s'est pris la mine son pote. Ah, c'est moi aussi qui a mis la mine. Ah non, c'est toi. Ah bon, bien joué. Voilà, je suis en train d'essayer de jouer le Diana comme je peux. Je sais pas si je m'en sors bien ou pas. What? Le mec il a... J'ai un. Non, mais c'est chiant. Si, juste un. Vas-y. Je suis chaud. Attends. Vas-y, je crée où je join. Crée si tu veux, je me bats les couilles. 4-4-9-2-5. Alors, custom game room. Custom. Join, tu m'as dit quoi? 4-4. Attends, 4-4. 9-2. 9-2-5. 5. Join. Et pour moi là? Yeah! Scarlet du Warson. Attends, je prends une couleur pour bien me différencier la couleur orange. Moi aussi. Ah. Elle est où ma map? Where is ma map? Ah, tout le monde a voté NBA. Et là, personne ne veut venir. Personne veut venir sur le live, mais ils ont voté pour que je joue NBA 2K18. Donc là, c'est 60% 2K19, je crois. Pourquoi je dis 2K18 après 2K19? Je suis vraiment enculé. Ah, mais c'était moi qui... Eh, tu connais trop bien faire play, toi. Quoi? Tu connais trop bien faire play. Ah mec, j'ai torché le jeu hein, depuis hier. Je connais déjà mieux les coups. Tu m'as mis un coup, frère. T'as fait hélicoptère. Non, moi je fais l'hélicoptère. L'esquive que je t'ai mis, sale bâtard. J'ai envie de te capturer la Pokéball. Oh non, je voulais la Pokéball. Oh quoi? T'as fait te la reprendre. Ah non! Merde! J'avais pas vu, j'ai confondu. Parce que d'habitude, je joue mon. Mon l'autre mec là en violet d'habitude. Qu'est-ce que je fais?
Moi je connais pas la touche à la manette. Hop, 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 hop. C'est pas faire ça hein, dans la street air. J'aurais pu faire ça toute la journée si tu m'avais pas mis un coup. Ah putain, j'ai pas réussi à te mettre le dash correctement. Le clutcher fou quoi. De quoi clutcher? Que dalle, allez. Retourne chez toi. Incroyable ça. Vas-y, je vais prendre Jalop parce que là tu vois c'était. Ah, New Stance. C'était quoi mon New Stance? Je crois que c'est speed. Ah ouais, comme ça il y a un peu plus de speed mais moins de résistance. Ah pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que ça baisse pas trop les stats. Non attends, j'ai pas choisi la couleur. Ah, c'est bon, je suis en... Ah mais prends pas orange enculé. Bah attends, je vais prendre jaune pour bien que je me différencie la couleur la plus dégueulasse là. C'est tellement différenciable. Enfin, je sais pas comment essayer expliquer. Différentiel. Oh, je sais pas. Différentiel. Ouais, je crois. Bah, je sais pas. Oh, ouais, c'est moi qui l'ai trouvé. Je m'en fous, moi j'aime bien toutes les maps donc. Comment tu rages? Il est trop con. 3, 2, 1, genre, Ah là, tu sais que j'ai mon bâton, tu peux rien faire. Putain, c'est chiant qu'il y ait la hauteur et tout là. Mais putain, je me le prends en plus hein. Mal. Rentre chez toi. Oh mais non. Zut alors. Mais. Oh non, c'est un bras. Merde, je me suis trompé entre le dash et l'arme. Et le jeté d'arme. Moi je me bats à main nue, hein. J'ai pas peur. Vas-y, patate de forain. Ah non. J'ai pris des balles, des coups de fusil, des coups de couteau, j'ai pas peur. Patate de forain. Pokéball. Que dalle. Oh. Oh. Je crachais sur mon écran. Comme une grosse merde. Non. Ah, j'ai mis toute ma conviction dans ce. Non. Je suis conjoint à la patate de forain. J'en peux plus de cette attaque. Arrête ça. Vas-y, patate de forain. Oh, mais qu'est-ce qu'il veut faire? Oh non. Oh non. Vas-y, tu veux que je te dise je suis qui? Je suis... Comment il s'appelle là? Doomfist? Non, non. Celui qui fait de l'UFC là. McGregor? Ah ouais, je suis Conor McGregor. Oh, sauf que lui il utilise pas de ça. T'es personne toi. C'est juste un mec qui s'appelle Kizabia Kishua. Laisse-moi faire mes patates de forain. Oh la patate que je te mets là. Oh non. Oh tu me l'aurais calé. Oh non. Quoi? D'où je te touchais pas? D'où? Mais d'où? Oh non. Oh j'ai cru que t'allais tomber comme une grosse merde. Ah, pas mieux. Te connaissant, Uber. Voilà, tu vas appeler le Uber. Oh. Uber taxi. Patate de foin. Pokéball. Tu me connais pas, moi, c'est toi le Pokémon en fait dans l'histoire.
Oh non, il s'est arrêté juste au-dessus de ta tête, genre il t'a coupé le chignon. Non. Enfin de tes parents. Ouais. Et moi je suis pas adopté. Donc t'es pas forcément voulu. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que quand on y pense. Pocket trap. Oh non. J'ai vraiment aucun respect envers toi. Je te mets quand même 20 fois la même attaque. Hop, t'attrapes personne toi aujourd'hui. Hop. Viens là, entre forain, entre forain. Allez, t'es pas un vrai forain. Moi je suis pas forain, hein. Est-ce que vous êtes vrai, est-ce que vous êtes chance, hein, mon ami. Uber Eats. T'as pas ça toi, hein, qui est pas... T'as pas ça à Paris, hein. À Paris. Je suis vraiment un gros fils de pute. Qu'est-ce que je raconte? Zut. Je vais te capturer avec ma hache. Oh, en vrai, si j'aurais pas d'hache vers le haut, il y aurait moyen que tu serais ton, t'aurais gagné. Oh, ce serait vachement drôle. Eh, tu veux quand même continuer à me 1v1 alors que tu sais très bien. Vas-y, random, random. Tu sais que je suis plus fort. Moi, j'ai random, pas random. Random. J'ai pas random. Si. Non. Tu joues random. Non. Je suis pas random. Regarde, voilà, c'est bien. Tu veux que je t'encule? Tu veux que je t'encule maintenant? Attends. Ta gueule. Bon, allez, appuie sur C là. Attends. Oh zut. En vrai là j'ai envie de te faire un coup de pute et faire C join random, comme ça si tu tues mon perso bah boum, je prends l'autre. Faut que je regarde un truc. Bon bah les couilles, allez lance. Moi je vais te tuer hein, sinon, je me connais pas. Ok. Et quelqu'un, allez, full random. Allez, on est parti. Je pourrais essayer un truc. Quoi? Ah, t'as pas vu les persos? Ouais, attends, je peux essayer un truc, la patate de forain. Pourquoi on a 0 HP? Bah, hein? Qu'est-ce que tu racontes? Bah, on a 0 vie. Attends, laisse-moi faire une patate de forain, tu vas rigoler. Non, mais viens aussi. Arrête. Par le pouvoir du démon sacré. Yes. Tu as mis toute ta conviction, mec. Il arrive comme ça, tutut, avec tes petites armes là. Donatien. Viens par ici, Donatien. Putain, je suis vraiment trop bon. Mais arrête aussi, laisse-moi prendre les armes. C'est de l'harcèlement. C'est de l'harcèlement. Ching. Oh, les dégâts que t'as pris. C'est pas comme si j'avais mis les dégâts 300. Hein. C'est pour ça que je vais te mettre une patate de forain, mec. Voilà, ça fait... Oh, t'es chaud. C'est toi qui as chaud là depuis tout à l'heure, sale bâtard. Oh t'es... Pas adopté, contrairement à toi. Toi t'es un FDP d'avoir mis les dégâts à 300, t'oses même pas faire un vrai 1v1. C'est le seul moyen que t'as pour gagner. Non mais avant je l'avais fait hein. Arrête. Oh non, j'ai mis du mauvais côté. Ouais, c'est pas ma petite truc de la merde. Eh Berit. T'as vu ou pas comment c'est pété? Tiens, viens manger tes morts. Viens, on n'a pas le droit de prendre d'armes. Allez, vas-y, lâche ton arme. On n'a pas le droit de prendre d'armes. Ok. Vas-y, patate de four. Patate de four. Hein. Oh, excuse.
Tiens, pour la peine. Abuse pas quand même. Fais pas la folle avec moi, Jojo. Comment as-tu osé? Ah, je suis un chinois, enfin. Qu'est-ce que je raconte? J'ai pas fait exprès. Bah voilà, c'est parce que tu m'as mis un coup d'épée. Je t'ai pas mis de coup d'épée, qu'est-ce que tu racontes? Bon. Donatien. Je suis un professionnel maintenant. Hein? Je peux faire. Oh non! Je vais faire mon stage à la foire de Lille. Oh non! Mais non, on veut le saut! Reste là-bas en bas! Tu joues à quoi, toi? Forain professionnel, puis c'est... là je vais laisser 3 ans. Non, mais aussi, laisse-moi spawn! J'ai pas le temps. Pas le temps de miser. J'ai pas le temps pour toi. Viens! Regarde comment tu. Regarde, tu vas me spawn. Ah non, parce que c'est fini. Oh non, je t'ai pas. Je t'ai pas capturé. C'est moi qui a gagné. Ah non. Bah oui, ça se voit, c'est un, c'est toi qui a gagné. Vas-y, on l'a refait, c'est drôle. Attends, je vais mettre des nouveaux paramètres. Ça va être... Y'a pas moyen que tu désactives les armes? Si, y'a moyen, je sais pas. Faut regarder. Oui. Allez, full random, encore. Moi, je pense là ce soir, je vais passer level 10 et je vais aller sur NBA. Hein? Ouais. Gros soumis, va. Ah non. D'accord. Tant pis. Ok, NBA l'a largement remporté. Pas du tout. Et il y a personne qui a répondu à mon deuxième sondage. Ah! Léon Antoine, non. Marie, non. Même moi j'ai mis non. Genre, c'est combien qui a 20 qui gagne? Genre, ils sont tous arrivés en mode non. Espèce d'adopté, non. Je te demande. Ah. Et depuis tout à l'heure, il y a une personne, je me demande qui c'est. Je pense pas que c'est moi. Ah si, c'est peut-être moi en fait. Je sais pas. Moi je le sais que t'es adopté. C'est une blague? C'est ce que je me disais. Eh, si c'est pas moi le mec qui regarde le live ou la fille. Enfin, bref, tu m'as compris. Mais putain, t'as pas désactivé les armes, espèce d'adopté! Ah, je te l'ai dit, t'as quand même écouté. Je t'écoute pas. Genre, je pouvais désactiver que les gadgets. Ah non, justement, c'est le truc qu'on utilise. Attends, dégage les armes. J'ai pas fait exprès. Non, arrête, c'est... À la guerre comme à la guerre, bitches. Non, laisse tomber, tu pues la mort face à moi. De toute façon, je suis trop beau, ça tu le sais. Tiens, hop. C'est quel Mario Gangsta? Reste là-bas. Hop, la petite patate. Oh non. Attends, je dégage les armes. Mais je dégage les. La violence. Zut. Le mec il arrive. Toum, allez, dégage. Attends, dégage les armes. Attends, dégage là. Attends, dégage les armes. Ils sont de la gueule. Attends. Attends, mais tu dois me laisser te frapper.
Tu m'as mis un coup d'épée. Regarde, là, t'allais me mettre un coup de hache. Regarde, tu me laisses même pas te frapper. Mais tu mets un coup de... Je suis un meilleur forain que toi. Ah ouais, ah ouais. Tiens, les forains, ils se respectent pas. Tiens, reste là en bas. Tu m'as mis... Mais casse-toi. Eh mais ta daronne c'est Claire Chazal. Non. C'est Jean-Luc Mélenchon. J'aurais bien aimé. Nique ta mère, je dégage les armes. Regarde ce qu'il fait là. Il sort du terrain. Arrête. Ça va être long si c'est le premier arrivé avant. Ça va être trop long. Bon, encore là, genre là, c'est pas... il y a du temps. Oh, on était pas perfect timing comme sur Fortnite. Quoi? On n'était pas comme sur Fortnite en perfect timing là. On dirait pas les combats dans Dragon Ball. Non, y'a pas ça dans Dragon Ball. Si, si, y'en a. Allez, moins 3 points. C'est le Bambi. Oh non. J'ai failli tomber dans le vide en Bambi. Plus. Attends, je dégage les armes. Ah ouais, ça joue à ça. Je dois esquiver un coup d'épée pour me prendre un coup de poing derrière. 3, 2, 1, ah ouais, c'est trop bien ça. C'est quoi ça? Attends, dégage les armes. Attends. Attends. Ah ouais. Hélicobite. C'est vraiment un gros... Non mais non, bah Alt F4. Tiens, hop. Tiens, t'as voulu jouer à l'arme. Fallait pas se foutre de ma gueule. De toute façon j'ai dit que j'allais sur NBA. Du coup on va sur NBA. Non mais ce mec là on dit on joue pas à l'arme. Il met un coup, il essaye de mettre un coup d'épée pour derrière me refrapper. Tu veux qu'il se fasse quoi? Tu veux... Non mais vraiment. Du coup moi je vais sur le jeu que je voulais de base, NBA. Moi j'ai besoin d'argent donc. Ma carrière. En fait ce qui est bizarre c'est qu'il me dit que j'ai déjà tourné la roue mais ce matin j'ai pas joué. Non ce matin j'ai pas joué. Oh, je vais faire le match contre les Rockets que j'ai pas voulu faire hier. Complète total of the game in ma carrière NBA. Ok, en bonus journalier, t'as cru que j'ai le temps de me faire ça en une soirée. Il m'a pris pour qui? Il m'a pris pour un no life. Non, je vais quand même revoir la roue au cas où. La roue de la fortune. En plus, c'est vrai, hein, c'est la roue de la fortune, tu peux te faire 2000 balles. Ce qui m'arrangerait en plus. J'ai gagné 500 balles tout à l'heure. Ballon rouge, ballon bleu, commence bientôt. Ok, c'est quoi ça? Rendez-vous dans la zone de départ en face du salon de tatouage. Et qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Bon, bref, je le ferai pas, je me bats les couilles. Voilà, tu vois, revenez demain. J'ai pas joué ce matin. Donc, on va faire un match, on ira voir après. Allez, pas mal. Je vais te démonter, mec. Tu joues à l'arme. On dit pas d'arme, t'arrives, tu mets un coup des. Enfin, je dois esquiver un coup de hache pour me prendre un coup de poing derrière. Nique ta mère, non? Hello and thanks for joining us on Martin Luther King Jr. Day. Ernie Johnson here alongside Shaquille O'Neal and Kenny the Jet Smith as we get ready for this very special broadcast of the NBA. And tonight, it'll be the Philadelphia 76ers going up against the Houston Rockets. Houston comes into this one after the win against the Lakers at Staples Center. That game was a real shootout. They'd like to keep their score... Thank you.
Bref, vous êtes sûr, je comprends pas pourquoi il y en a, ils ont leur capuche alors qu'ils sont à l'intérieur. Non mais vraiment, c'est irrespectueux. Vas-y, on attend de milieu de terrain. Non, je suis pas assez fort. Je suis pas encore assez beau. Là, c'est mon point faible, comme je l'ai expliqué hier. Et là, c'est mon point fort. Et du coup, j'ai plus de chances de faire un vert, comme ce que je viens de faire à l'instant. Là, ça va rentrer par exemple, tu vois. Et de l'autre côté, il me semble que c'est pas exactement l'endroit, c'est plus. Voilà, c'est plus ici. Et là, tac. Du coup, parce que ici, c'est mon point fort. Et j'ai plus de chances de mettre des verres. Et je trouve que c'est vachement bien ce truc. Bah, enfin, sauf que là, parce que. Il a dunké, c'était enculé. Et là, parce que je viens de manger une balle. Putain, deux verres d'affilée, ça rentre pas. Ah, non, là, j'étais plus à la zone, vous voyez, c'était blanc. Attends. Oui, là. Oh non, c'est moi un abonné. Hier j'étais à 28, là je suis à 27. Qui c'est le méchant qui a fait ça? Pourtant, moi j'ai rien fait de mal, j'ai rien demandé. Moi, je veux juste jouer en fait. Pourquoi je me suis retrouvé là? Genre, je suis mineur de base, me semble. Because it allows you to work through the length of the season in a more measured way, which gives your key players rest. You spread out the minutes over more players. Okay, so alors j'ai l'impression que c'est un peu bugué là, vraiment. Freshness as you get ready for the playoffs. I don't know if you can overstate the value of a very of a quality bench when you're a team that's expected to make a deep run in the playoffs. Bolden, je crois qu'il était quoi. Parce que je sais, c'est que t'es pas beau. Ok. Oh bah oui, mais comment tu veux que je revienne? Pardon. Hop, et bah non. Et hop. Ça rentre pas parce que je pue la merde. Yeah, and he had the D tangled up there with that patented crossover. Just couldn't convert the finish. And that one drops for him. Nice to see Gordon use his touchdown low. I mean, not the biggest guy, but still skilled at scoring close to the bucket. Out to the right wing. For three, Covington buries the long range jumper. Covington's got himself going there. His first points of the game on the deep ball. The pass to Capella. Gordon against Covington. Back to Capella. Houston moving the ball. Je crois qu'il faut 3 000 pour passer 70 de général. Je sais plus. A tad short, but it's good off the front iron. Red hot so far. 4 for 4. Cooking with gas. Couldn't draw it up any better. AI outside. Out left to the wing. And the layup's good off the glass. Boy, what's most impressive about Simmons is how he finds the open man so consistently. The vision, the unselfishness. That's what you want to see out of him. Ball kicks to Capella. Est-ce que lui, on peut dire qu'il chante à Capella? Here in the first, just 2.5 minutes played so far. Est-ce que c'est grave, docteur? Allez, fais le dunk! Il a pas fait le dunk. Il a pas fait le dunk que j'ai montré hier. Connard. Il a fait un dunk pas très beau. Ben Simmons, such a force when catching the ball, moving at the rim. But you know, Clark, he can get there on his own just as well. Yeah, he's got a great knack for being able to get where he wants to with the ball. His size and strength and agility certainly. Voilà, ça m'énerve. Attends, aide. Was just a jump shot away from being virtually unguardable. Bolden, Capella. Bolden, comment il le dit? Top, top, mais quoi qu'il a fait? Covington kicks to AI. Just 5 on the clock. And the 76ers attack on 2 more. Là, c'était à moins de 2 degrés, genre c'était même pas 0. Ça se voyait. Enfin, vraiment un tout petit peu.
now the first timeout called here for the Rockets. And there's so much speculation early in Embiid's career if he would even pan out. It's become clear, Clark, that he was worth the wait. Well, it was all injury related in terms of the questions because he sat out his first 2 years in the league with some type of injury. Those injury concerns, really the only reason that people question him, the talent, the size, and you love his personality as well. But this guy has tremendous skills. He's going to be an all-star for years to come if he's healthy. Houston, a whole new five on the floor. Ah, lui, c'est un chevalier, hein. C'est chevalier d'Arkane. On a retrouvé le droit de Batman. Je sais pas pourquoi j'ai relâché aussitôt, j'ai eu la chance. Il faut très deux chances. Oula. Non, c'est pas possible. Faut défendre. Vas-y, décale, voilà. Ah, voilà, t'as pas décalé comme je te l'ai dit. Donc, voilà. Parce que là. Ah, bah, j'étais presque hein, quand même. Et un peu plus, et ça c'est passé. Moi je te le dis, j'améliore là mais double pas et pas mes dunks. Je devrais peut-être améliorer les dunks juste pour faire ça, tu vois. Voilà, tu vois, voilà le genre de truc qu'on se prend. On s'amuse de ouf. Ah non, ce jeu, c'est l'amusement hein, quand tu fais ça dans ton équipe. Avec des jeux. Je suis outré. Il l'a poussé, l'arbitre il n'a rien dit. Muscula. Il va falloir Muscula. Il s'en sort. Hop, oh, il va mettre moi. Ça s'appelle la défense. Il ne s'appelle pas défendre sur moi, je trouve. Ça rentre. Bah ouais, faut défendre, monsieur. Je vais tenter un truc du turfu. J'ai même pas le temps de shooter, tu vois. Oh, si ça rentrait, vraiment. Je vais donner 20 euros. Pa, on a pris des trucs. Cette trajectoire, alors qu'il y en a de la NBA. J'aurais peut-être pas dû activer mon takeover pour ça en fait. J'aurais peut-être dû attendre la meilleure max. Pour les coéquipiers. Attends, il va 3 points. Batman. And welcome back to our special presentation of the NBA for Martin Luther King Day. And guys, what's your allez, allez. Je suis trop fort. To a number of second chance points. And we know energy and effort go hand in hand, and they will be tonight playing with a bunch of energy, easily coming up with offensive rebounds. Pourquoi il fait un switch là comme ça, heureusement qu'il est pas bon. Hop, attrapé tiré, ça rentre, je me donne 20 euros. Bah, je suis vraiment supporter. For the Houston Rockets, they won their last contest in that game against the Los Angeles Lakers. Beyond the arc. The rebound. Ça rentre pas. J'aurais pu avoir le rebond. Mais là, je l'ai pas eu. S'il est trop grand. Voilà qu'il est trop grand. Hop. Hop. Non, non, non. Oula. J'ai eu de la chance. C'est normalement dans les temps de malchance. Là, j'ai tout mis. Ok. C'est forcément mon avis, parce que vu le timing de merde que j'ai eu, même pas. Vas-y, là je te laisse lui faire la passe, comme ça je peux le bâcher. Really easy to tell that this is an important game, Greg. I mean, I don't know if the crowd will get a chance to take a breath in this one.
As we take a look at the power forward position, one you know very well, who are some of the more underrated guys at that power forward spot? Underrated, you always run into some interesting names when you think about underrated. You know, I think a guy that perhaps has finally found himself with the talent that he came into the league with is James Johnson down in Miami. He does a little bit of everything. He had one of his best seasons this past year. Taj Gibson, I think, is undervalued for what he brings in toughness, shooting, and defense. And the 76ers decide to take their first time out here. If the amount of characters and personalities on this 16th team park, you can't help but notice the attitude they play with. Yeah, they play with edge, they play with breath. And the first half comes to a conclusion in a couple. Okay, David, much appreciated, and now time for halftime, so... And welcome back to the 2K Sports broadcast of the NBA, celebrating Martin Luther King Day. They've got Simmons. Là, tu me fais surtout pas. Robert Covington out there with Embiid. And that's the group for Brett Brown as we begin the second half. Covington passes to Embiid. Floats it up for AI. Oh putain, j'ai perdu mon casque. You know, one thing you gotta love about Embiid is how unselfish he is. I mean, he's pretty good at spotting open teammates. Bah oh, 3000 fans, à ton avis pourquoi? Je suis trop beau. Fais karma direct après, ça m'énerve un peu, je pas dire. Ça fait chier de faire karma, ouais. Embiid il est trop bon, il fait les passes au bon moment, il prend les bonnes décisions. Yeah, just a real lack of aggressiveness there right now. I mean, you can't give up those types of layups to begin the quarter. Voilà, quitte son poste. That's a no-no. Here's Tucker. Good, it's Harden with the assistant. How about the passing? They are moving the ball without any thought, without any individual agenda. Yeah, and it's really fun to see that kind of unselfishness. Really hard not to appreciate all the assists they bring. Again, my bro. Unselfishness always admirable in a basketball 2000. Covington consistently giving it up on one of his teammates is open. And watching Robert Covington and how he plays out there. Great 3-and-D guy, the ultimate role player on a team. And he just gels well with his teammates and doesn't force shots. Et là, non, bah maintenant c'est trop tard quoi. Mais, hop, tu vois, genre en gros, s'il n'était pas reparti, il aurait pu me la faire easy. J'aurais pu me taper un gros de game. That was just the latest chapter in what has been a very good stretch of outings for him. He can't afford to take anything for granted going into tonight. Ah, mais pourquoi il fait ça? His contribution in that game was a voilà, regarde, pourquoi il me fait cette passe là? Je suis un peu pris, hein. Juste un peu. Genre, si t'es aveugle, forcément tu vois pas. Si tu l'es pas, normalement tu vois. C'est logique, Nathan. Si t'es aveugle, tu vois. Alors, put his stamp on as many different areas of this game as he can. And Greg with Covington. Tu vois, du coup, je redescends un C et j'ai toujours des notes de merde à cause de mon coéquipier. C'est mes coéquipiers qui donnent la note. Non. He's okay with that. He's focused on efficiency and making the best decision for the team. Only cares about win. Ça rentre pas, bah oui. C'est l'endroit où je suis le plus froid au shoot. Trying to get that last three ball back, but couldn't get it to fall. Vraiment pas d'endurance, hein, perso. Je sais pas ce qu'il a. Philadelphia with the rebound. Il est crise d'asthme. On Joel Embiid. That'll be his second foul of the game. Then he's checked in for the Rockets. Houston's gotten the three-pointer to fall to the tune of 50% here in the third quarter. They've made 3 of 6. And defensively, you have got to extend. Regarde quand il va se le prendre dans la gueule là. Ah bah. Bah quand ça rentrera aussi. Mais en attendant ça rentre pas autant que je la ferme. Oh, j'aurais tellement pu le gêner de ouf.
J'aurais sauté un dixième de seconde plus tard, je pense que je l'aurais bâché. Ça rentre pas. J'ai peur de me faire karma. Hop. J'ai plus la merde, hein. Vraiment, mi-distance, c'est... Je l'ai vu une demi-heure avant, donc ça rentre pas. Tellement je suis bon. Chandler against Gordon, the pass to Tucker, or the three. Tucker. Chandler with the rebound. Philadelphia's gotten blank from three-point land so far. Still 0 for 3. Bah, mais pourquoi tu fais ça, mec? Pourquoi je pense ça? Foul call that time on the way up. That'll give him two chances to free throw line. Vraiment, tu l'aurais mis, ça m'aurait fait super plaisir, tu vois, ça m'aurait fait. At least they saved it. Hier j'avais dit qu'on l'avait perdu contre les Houston Rockets, mais là pour l'instant ça se tient bien. Je devrais fermer ma gueule, je vais faire mes mains. Paul and Harden are the incredible backcourt duo. Clint Capella is out there with PJ. En vrai, là, si je suis en train de trahir de... Oh, allez, tiens, fallait pas faire le man avec moi tout à l'heure. Si je trahir de temps, là... Enfin, je trahir de... Si je rush un peu le jeu, là... C'est parce que j'ai vu que Stat 99, on aurait une version gratuite de 2K20 en version limitée. Et je crois que c'est les 10 premiers, je crois, pour une code dans le genre. Enfin, 10 premiers, ça dépend du continent, je pense. Ouais, je sais pas. Ouais. Je me suis pas trop renseigné, j'ai juste tout ça, donc j'essaye d'être 99 le plus vite possible. Même si à cause de l'autre, là, j'ai découvert un problème. Après, faut que je demande le jeu qui m'a dit. Ah oui, si! Je vois le jeu que c'est. Je suis pas sûr que c'était très français ce que je veux dire. Mais je crois que j'ai déjà vu une vidéo dessus. De temps hors en plus. Il me semble. Non, ah, si hors. Il me semble que c'était hors. Ah, c'est possible que je me trompe. Hein. That's good, and the 76ers lead is cut down to 8 on the bucket from Harden. Mais bon, voilà. It's amazing to me how easy Harden makes it. Parce qu'il m'a dit qu'on commençait avec une hache et un arc. Je connais un jeu, un disponible, c'est bon, je commençais. Là, ça doit être sur ma tour, mais c'est pas... Oh! Vraiment, c'est pas sympa, hein. Oh, ça, c'est encore moins sympa. Il veut pas faire un effort le jeu, s'il te plaît. Ah, je vais lui demander après. Je vais le mettre en stream. Parce que j'utilise pas trop le. Bah, il y a pas besoin de jeu 9 sur. Sur TK19. Parce que moi, je joue pas en mon parc. J'ai pas encore les stats qu'ils veulent. It's Philadelphia with the rebound. Not quite enough defense. Ah, le timing! Quelle chance! Non, mais vraiment. Le timing était dégueulasse. Yeah, I'm with you on that one, Greg. I mean, they're in a groove right now, up big. Ah, ben, envision them losing this lead. No question as to which team gave the better effort. Dominant performance and an outstanding win for the 76ers. Free throws were a big factor in this one. 53 secondes, je pense pas qu'en 53 secondes ils peuvent rattraper de plus de 10 points. De 14 points, plus précisément. Et encore, comme je viens de dire, on n'a pas fini le match. Vas-y, essaye de la faire en intérieur à quelqu'un. Genre l'histoire que, voilà, à Embiid. J'aurais pas fait ça, moi j'aurais fait un alley-oop, perso. J'ai envie de mettre un dernier panier, genre pour arriver aux 30 points et avec classe, genre pas comme ça, tu vois, pas me prendre un 3 points dans la gueule comme ça. Aïe, ça pique un peu. Là voilà, là tu me l'as fait. J'attends qu'Embiid, voilà, Embiid. Ouais. Là il y aura pas beaucoup de classe, mais en plus c'est faute. Ça rentre pas, ah si.
Tout à l'heure, j'étais persuadé que ça rentrait, ça rentrait pas, parce que à cause de la perspective, et là, je pensais que ça rentrait pas, et ça rentre. Bon, allez, 10 secondes, c'est bon. Et bah, la prochaine fois, faut que je pense vraiment à fermer ma gueule. Hier, j'avais dit qu'on ne gagnerait pas ce match, et pourtant, voilà. Donc, bien joué à toute mon équipe, et je vais lui demander son jeu. Ah, non, non. Particularly here at home. I think they built off that edge of being here and play with just a little more confidence than their opponents. And that'll do it, folks. For Greg Anthony, Clark Kellogg, and David Olsen. Je vais appeler Discord, simplement. Alors, Discord, c'est quand il y a plusieurs cordes. Une pour me pendre et une pour me la mettre dans la bouche pour que je ferme ma gueule. Allez, hoop conclu 2 et ouais, et bah tu vois, je voulais en mettre plus de 2 et bah Embiid a préféré shooter ce connard alors que là j'étais chaud. Est-ce qu'il est là du coup? Quel connard. Attends, je vais quand même lui demander. C'est quoi le jeu que. Oula! Putain, pas. Que tu. Que. J'installe. Tac. Ah bah, il est de retour. Bah, je crois que c'est lui. Ouais Thomas, si c'est toi, tu peux me dire le jeu que c'est que... Oula, oh, le jeu que tu veux que j'installe. Et je crois que je connais d'ailleurs, il me semble. Aïe. Ah bon, après si c'est pas toi, c'est pas toi, hein. C'est tout. Faudrait que tu penses à me répondre. Hey ho. Thank you. Ah, c'est peut-être pas toi. Ou alors t'es vraiment loin à écrire. Hey, Shaq here. As a team, you controlled the pace tonight, seized the advantage, never really let them back in it. What was your collective mindset while trying to protect that lead? Alors, quel est votre état d'esprit collectif lorsque vous essayez de converser votre avantage? J'étais surtout inquiet de savoir ce que j'allais manger. Well, we wanted to make sure we kept a work rate really high. We didn't allow ourselves to feel comfortable. Closing out games in the NBA, man, it's never easy. As soon as you take your foot off the pedal, that lead disappears, so... Credit to our guys for staying focused and not letting that happen. Ah, j'ai faim. Ça doit pas être lui. C'est quoi le jeu? Non. Je peux pas mieux envoyer un message. Alors. Non, on va l'écrire en français. C'est quoi le jeu que tu veux que j'en sois? J'ai fait ça. Non, mais... je vais regarder un truc. J'ai reçu un message. De qui? Marc Siong. Marc Cruz. J'ai un nouveau téléphone, c'est qui? Oh le bâtard. Putain, bon, j'en ai marre de ces gars. Toujours en train de s'engueuler. Ah oui, donc, pour les dunks, il me faut 7000. Genre, il a cru que j'étais riche. Et je peux passer 90 de général. Je remets une main de langue tout de suite. Ah, c'est un peu plus partagé, là, c'est 58%. Vraiment, c'est toujours... Bref. C'est pas grave. Mais voilà. C'est quoi ça? Vous avez débloqué l'insigne exubérant. Vous pouvez désormais exprimer vos émotions après un moment fort en cours de match. Dribble, tir, dunk, animation de passe spectaculaire élite disponible sur pour votre
Pour votre bon joueur, c'est ça. Vous êtes désormais capable d'effectuer une célébration. Portez vos maillots personnels. Votre maillot personnel est disponible dans la boutique NBA. Des options d'arceau. Ah ouais, ok. Ok. Oh, moi je suis passé 70 de général. Aïe. Ah, c'est mes clés. Ah, je vais m'éclater le coude. En même temps, je suis un enculé. Pourquoi j'ai lancé le match? Greetings, y'all. Moi, je devais passer chez Doc. Là, j'avais envie de voir le connard. So was Shaquille O'Neal. Je sais même pas ce qu'il voulait faire là, mec. Je suis trop beau avec ma barbe rose et mes cheveux verts. En plus, c'est vrai, je n'ai pas dégueu. Ah, pas dégueu. Je ne suis pas gay. Bon, attends. Oula. Bon, oh, double oula. Ou le triple. C'est pas ça que je voulais faire. C'était quartier. Je suis dans le petit car. En autocar. Je suis dans le petit car, dans un autocar, en train de bouffer un 4 car. Bon, faut juste que je trouve un rythme parce que vraiment là. Wow. Je peux pas faire tourner la roue alors que la roue tourne. Je sais pas si c'est droit d'auteur, bon je m'en bats les couilles. C'est un jeu putain, ils avaient qu'à pas mettre des musiques comme ça. S'ils veulent pas. Bande de connards. Vraiment, je l'ai marre. What's up man? What's up Floyd? Good to see you bro. Good to see you too, brother. How you been man? Good, good. Have a seat. Got yep. Something unique, special for you today. Oh for real? Yeah. Man, that sounds perfect. You know, I've been waiting to change my look. Oh need really? That. Yeah. Oh, well, sit back, relax. I got the perfect look for you. All right, let's do it. Ça me rassure pas de ouf. Ça me rassure pas du. Yeah. What you think? Whoa, 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 whoa! Hey, Anthony, what are you doing here, man? You're fine. It looks good. Trust me. Je m'attendais à tout ça, mais ça. You're fine. You're fine. Bon. Looks good. Look like twins now. We're twins. You see, y'all play too much. All right, look, I'm gonna keep it for you if you like it, but I'm not sure I'm a fan. Don't worry about it, man. En plus, on en parle qu'il était en train de lui coiffer la casquette et ils sont en train avec un mono sourcil, le bâtard. I'm gonna get you for this one, man. I'm gonna get you. Oh là 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 là, mais qu'est-ce que c'est pas beau. Oh putain, c'est dégueu. C'est vraiment, je vais. Les gars. Par contre, il a rien touché à mes cheveux, hein, parce que je vais le démonter. Ah, ça, je m'en bats les couilles. Vêtements, on va juste retirer la casquette. Ah, c'est bon, il a pas touché aux cheveux. Je vais toucher à mes sourcils, le skin. Attends, je vais aller chez lui, là, je vais changer. Mais je sais même pas comment je change les sourcils. Parce que moi, de base, il y a barbe et. Enfin, il y a barbe et. Oh, second thoughts? All good. I was just getting warmed up. Nikita, je te soulève maintenant ou tout de suite? Non, vraiment. Pourquoi j'ai écouté ce fils de chien de Marcus Young? Vraiment. Non, mais oh, il est horrible. S'il vous plaît, les gars. On a vu ça. Il est pas beau. Oh. C'est pas grave, hein. On va faire mon joueur. On va changer sa gueule, c'est tout. Pour récupérer les sourcils. Ouais, sauvegarder. Et comme ça, j'ai plus mes cheveux. Bah bravo, fils de. Je vais te mettre un Huracan. Et je l'ai toujours. Alors, je te frappe maintenant ou tout de suite? C'est pas grave, on va prendre un autre mec. Ouais, mais après, il y a pas d'autre mec qui me ressent niveau tête. Moi, je suis un peu. Comme lui, non pas comme lui, non, ah, encore moins comme lui, toujours pas, non, 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 bah non, bah j'essaie de prendre un truc qui me ressemble, donc je vais éviter de prendre un lycée,
pense qu'il faut que je... Est-ce que si je fais ça et que derrière je fais... Ok. Yes. Si je me retrouve encore avec un manu sourcil, il prend sa mère. Je prends sa... Et je vais lui faire un tour de magie. Waouh, 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 il est, ah, il a plus de barbe, ah, il est prépubère. Qu'est-ce que je raconte? Bon, alors, non, non, il y a un gros problème, c'est que je vais te tuer. C'était l'échauffement pour toi. Tu ma gueule. Il croit vraiment que je rigole avec lui en plus. Je suis trop malin. Ouh, quelle classe ta gueule, connard. Si je suis là à cause de toi, c'est bah, à cause de toi. Non, moi j'ai pris Dreadlocks. Alors, angle des cheveux, je sais pas quoi tu... Bon, alors, on va mettre pas de texture. Waouh, 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 oh, ça c'est joli en fait, mais pas en miroir. Voilà, tu vois, comme ça, là ça passe. J'ai pas envie d'essayer une nouvelle couleur, donc je vais laisser en vert et après je vais prendre ma barbe. Oh, ça en jette. Et là, il est pas beau parce que bah, il a pas sa barbichette. Donc, allez, mettre ça. C'est ça, non? Putain, du coup, je sais même plus quelle barbe j'avais. Bon, bon. Bah, boum. Ouais, c'est, ça a l'air d'être ça. Attends, je vais regarder, hein. Je vais te dire, non, c'est pas les normes, ça c'est sûr. Attends, comment ça s'appelle ça? Grosse barbe. Tu fous ma gueule, alors. T'as grosse barbe. Grosse barbe, mal étendue. Et là, t'as grosse barbe. Alors, tu fais comment la différence? Enfin, c'est pas trop... Pourquoi je vais m'étendre sur le soulier? Bon, alors... That's what you were thinking? Yeah, man, it's perfect. I wouldn't change a thing. C'est vrai que là, c'est stylé. Later. Et je crois même, je vais retirer. Comment que ça s'appelle? J'ai une question. Comment que ça s'appelle? Bah, la casquette, mais. J'ai rien demandé comment ça. Ça, c'est grave, docteur. Ça a l'air d'être bon niveau vêtements. Ouais, c'est bon. Je suis 72 général, il y a quelqu'un qui... Okay. Personne. Ah, ils doivent tous faire l'event, je pense. Ballon bleu, enfin ballon rouge, ballon bleu, je sais pas trop quoi. Bref. Pendant que moi je faisais mon petit match. En vrai, je sais pas si je refais un match, j'ai peut-être envie de retourner sur Brawlhalla. Ouh, il m'a toujours pas répondu pour le jeu. Parce que j'aurais été chaud pour l'installer, mais je sais pas du tout comment ça s'appelle. Genre. Aussi, il veut que j'installe un jeu, il me dit pas le nom. Enfin, il me l'a dit, mais comment tu veux que je retienne ça? Et ce connard, regarde ce qu'il fait. Ah non, ils sont juste tous ici. Oh yes, je peux faire tourner la roue de la récompense. Bon, j'appelle ça la roue de la fortune, mais c'est pas grave. Avec toute la puissance qu'on a, j'ai pas pu, j'ai oublié que voilà, ça montait aussi vite. 2000, s'il te plaît. Oh non, quoique maintenant que je suis 72 au général, j'ai plus forcément besoin de... C'est toujours bien de monter. Bon, 1500, je vais pas te mentir que ça me dérange pas trop, tu vois, c'est plutôt sympa que ça. Waouh. Putain, ça m'aime. Je vois les mecs mettre la coupe afro comme ça, je trouve ça afro. Je sais pas ce qui est le pire entre mes blagues et cette coupe. Ah, merde. Putain, mon doigt. Ouais. Moi, je suis sûr que je cherchais comme un gros blaireau, un serveur Discord. Je vais essayer de parler.
Est-ce que... Je sais pas si je vais chercher comme un gros blaireau à un serveur Discord français. Bro lala. Ah bah. Faut le dire, j'ai juste besoin de sortir. Attends, les gens ils vont peut-être accepter de jouer avec moi maintenant. J'espère. J'ai craché. Ah, je crois. Ah non. Ah, 76. Oui, moi je suis pas contre. Tu vois, vu qu'on est à peu près du même général. Ok. Pourquoi il m'a vu, il s'est barré. Genre, ma gueule elle te revient pas parce que je suis rose. Ou alors il veut faire du 2v2. Mais oui, il est intelligent ce gosse. Mais putain, mais je l'aime. Team serve. Ah, je pense qu'on va se faire démonter. Hein. Attends, on a quoi là? Attends, équipe B. C'est qui dans l'équipe B? En fait, je sais pas qui est l'équipe B. Ah, attends, on va voir. Et je vais regarder leur carte. Ah ouais. Ah, ils m'ont l'air chaud. Ok, équipe B, il y a Mike G. J'ai cru que c'était Coach G. J'étais en mode, ok, c'est mort. Mike G. Qui est en ligne? Mike G. Ah, le M, Mike. Attends, non, ça c'est lui. Mike G. Vous avez bien vu ce qui est écrit en haut. Il a tout au max. En fait, une fois que t'as tout au max, je sais pas comment on fait pour passer au-dessus des 91 de stats. Attends, c'est qui le mec avec Mike G? Je sais pas. C'est Child Mode. On va se faire allumer. Hein, ça va être ma troisième défaite et ma 0e victoire. Je m'en souviens plus. Child Mode. 91. Ok. Non, je veux pas une défaite en plus. Vraiment. Non, ça m'intéresse pas. Putain, il veut dire que ça attaquait du gros morceau aussi. Moi, je suis déjà peut-être un peu plus chaud pour ici, tu vois. Genre, peut-être. Starlion. Alors, Starlion. Je regarde un peu à quoi je m'attaque quoi, hein. Starlion, tac tac tac. Non. Starlion, ah, j'ai cru que c'était écrit à poil. Non. Je l'ai pas vu, Starlion. Ah bah si, Starlion, 85. Le mec qui est avec Starlion, c'est Julien Demony. Ok. Bon, on a à peu près compris. Julien des... Je sais pas. Ouais. Au pire, on va... Voilà, 85. On va retourner sur Brolala, les LTF4. On va pas abuser des bonnes choses. Enfin, eux, ils sont forts, moi je le suis pas. Je vais juste chercher un serveur Discord, voir s'il y a des mecs... plutôt sympa qui veulent jouer avec moi. Alors, serve Discord, est-ce que c'est écrit au moins? À peu près. Serve Discord FR. Oh là. Pourquoi ça a tout effacé? Attends. Serve Discord FR. Oh. Serveur Discord FR, bro la la, Steam Communauté Discord, bro la la, FR, bro. Pourquoi? Argent d'euro. J'ai pas envie de me connecter. Ah non. J'ai
vraiment, vraiment pas envie. Comme une interface du jeu sur Twitch, j'ai l'air du Discord. Non, c'est CTRL C qu'il faut que je fasse. Tac, tac, tac. Je vais fermer ça. Là, je vais aller sur Discord. Je vais faire plus qui est tout en bas. Rejoindre. Je crois mes parents ils sont rentrés. Je ne crois pas. Attends, lobby. Déjà, pourquoi je peux pas aller ici? Tu vois, je. Alors, règlement. Comment voir tous les salons? Pour obtenir le rôle de membre, merci, à tous les salons, lisez le règlement. Alors, à Ring, respectez les membres et clans du serveur, tout le monde le mérite. De plus, veuillez vous disputer en MP. Ne révélez pas des informations personnelles ou autres du genre message privé d'autres membres sans leur autorisation. N'envoyez pas de liens menant à des sites à contenu malveillant. Postez normalement un nom textuel à peine de sanction. Un tremplin, gardez en tête que publicité dans un autre salon de promotion est prohibé. De plus, ce serveur est un Discord de communauté ou Rolala. Il est donc naturel que seule la pub en rapport avec ce dernier sont autorisées. De plus, nous souhaitons pas être associés à un boosting ou autre service immoraux. Il n'est ainsi pas autorisé de faire de la pub ces derniers. La place Gambetta à Ivry. Faites les preuves une bonne fois, les bons sens et une règle. Veuillez respecter ce qui devrait être évident. Demandez au modérateur en cas d'hésitation. Ne mendiez pas. Les salons textuels sont là pour discuter, pas pour faire la manche. Une utopie. Brolala est un jeu de combat avec un mode ranked. Ainsi, il arrive à certaines personnes de soit un peu sur les nerfs après une défaite. Si vous vous faites insulter, essayez de vous mettre à la place de votre interlocuteur avant d'aller plaindre au modérateur. N'envoyez pas de messages contenant du contenu inapproprié, offensif ou NSF. Bref, des menaces de violence mort, de racisme, discrimination, utilisation du. Pas grave, ok. Alors, quelques infos pour vous mettre. De vous investir un peu. Alors, si ça vous fait chier, très clairement, je suis désolé. Mais il faut bien que je le lise pour savoir comment je rejoins les avantages textuels et qu'est-ce que j'ai là au cul. Bon, bref. Enfin, au cul, à la jambe. Annonce, suivez ce salon pour les informations concernant le Discord, nos tournois, etc. Rôle. Pour les commandes de rôle, le salon prend un temps. Info, quelques infos pour investir un peu plus dans la communauté. Caverne, Baba, Dalibaba, Match Roll, Nul, Même, Vidéo Stupide et autres ici. Promotion pour mettre en avant vos projets. Musique pour partager un bot, création, un placard bot, un patch note, un lien utile, un mentoring, voilà. Pour la recherche d'un coach, ça faut peut-être que je. On va aller dans info. Je suis dans info, mais je sais pas si c'est ça. Apparemment pas, apparemment si plutôt. Pour participer officiellement à un coaching, désormais on devait être coach. Plus d'infos, non. Je veux bien, mais elles sont où? Parce que moi, c'est quoi? C'est général, AFK, ouais, moi, je suis bien content. Mais comment que fait? Moi, j'ai pas compris, tu vois, y a pas ça. Mais je suis peut-être un abruti aussi. Faut peut-être que je. Non. Allez, ouais, il fout ma gueule. Tu vois, là, tu peux cliquer dessus, tu vois. Parce que là, il y est.
Là, tu peux pas parce qu'il y est pas. N'est pas alors, n'envoyez pas de utilisation du salon. Ouais, tu vois, il y a rien de ce qu'ils ont raconté. Donc, moi, comment je vais si j'ai ma verre? Tu vois, il y a mentoring à la limite, mais il n'y a pas tout leur salon textuel de mes deux. La déco. Bienvenue sur le Discord Brolala. Pour obtenir le rôle membre et ainsi avoir pour voir et écrire dans tous les salons textuels, lis attentivement le règlement. Un problème, une plainte ou une question, utilise la commande / new et demande placard pote. Attendez. Qu'est-ce qu'ils sont casse-couilles ceux-là? Plus chiant que ça existe pas. Bah, je veux bien. Mais y'a rien d'expliqué dans ton règlement de mes deux. Regarde, alors. Bienvenue sur le Discord Brolala. Pour obtenir le rôle de membre et ainsi pouvoir. Voir et écrire dans tous les salons textuels. Lis attentivement le règlement. Un problème, il y a plein. Bref. La new demande. Dans placard bot. Alors, je vais sur ça. Règlement. C'est savoir d'ici on est ben. Henri, Amazon People, Dark Web. Ouais. Ça me texture quelques infos. On se tient un peu plus dans la communauté. Ah non, suivez. Bon, ça doit pas être ultra fun pour vous, mais bon. Alors, pour pas te suivre, non. Et là, tu vois, quand je vais ici, pour obtenir le rôle de membre et ainsi avoir accès à tous les salons, lisez le règlement attentivement. Ta. Si vous souhaitez vous plaindre, appelez Carbone, New Roll. Ok. Jusque là. Attends. Alors, faut que je fasse quoi? Attends. Faut que je fasse. Saut. Je pose ce saut. Après, faut que j'écrive new. Est-ce que je dois mettre les crochets? C'est ça la question. Il n'y a pas de. Serveur info, alors je sais pas s'il faut mettre les crochets, donc ça se trouve j'ai l'air d'un con, mais voilà, bah, demande est faite. Ah, fallait peut-être pas les mettre. Attends. New. Ça y est, ouais. Ouais, attends. Attends, j'aime bien, genre, tu vois là, ouais.
Là, je suis sur un serveur Discord français, bon là là. Et pour avoir les lobbies et tout, tu vois, ils me disent, pour en savoir plus, lisez le truc. Ça fait 25 fois que je lis le truc. À aucun endroit c'est écrit, et quand c'est écrit quelques infos pour vous permettre de vous investir un peu plus dans la communauté, cliquez sur le salon info. Il n'y a pas de salon info. Vas-y, ouais, envoie-le au pire. Ta gueule. Attends, je t'en... Mais tu m'as bloqué def de ton live. Hein. Ah non, 300 secondes. Pourtant, genre, je suis arrivé 5 minutes après. Et genre, ça a marché pas. Oh, mais j'ai trouvé une chaîne, il fait des dégustations et tout, t'as vu? Moi, je manque pas mal du tout. Eh, je crois Darwin Project que je connais. Je crois que je connais. Skyart, il a fait des vidéos aussi. Non, je suis pas sûr que c'est sur Skyart que j'ai vu. Donc, tu me dis quoi? Tu me dis Darwin Project. Ouais, désolé. Ah ouais, il me semble que je connais. Retourne sur le live, genre pour voir. Par contre, tu peux jouer jusqu'à quelle heure? Moi, il s'installe en 20 minutes. Donc moi, le temps que j'ai mangé, c'est bon. Parce que ce week-end, je suis pas là. Ce week-end, je suis à une convention. T'inquiète. T'es? Je suis à une convention avec mon père. T'es à Paris Games Week? Non. Ah. Un truc pas loin. Pas loin à côté, mais... C'est pas... Ah non, j'allais dire c'est pas la Virtual Calais, mais non. Bah non. Pas loin. Ah, pas loin de Paris. Ouais. Ah, ok. C'est à Meaux. Enfin, je sais pas où ça va se trouver cette année, oh, oui, parce que... Je sais pas où ça va se trouver cette année, parce que ils ont détruit la salle des fêtes. 5 minutes pour s'installer. Oh, vraiment, ils sont sympas. Hein. Ouais, du coup, t'as bien vu hein, le Discord. T'es-tu... J'ai pas lu les règles, mais vas-y. T'es-tu... Ouais, bah attends, je vais te les lire. En fait, ça doit être chiant. Alors, quelques infos pour vous permettre. Attends, non, déjà, je vais aller dans comment voir tous les. Hein, comment voir tous les salons. Pour obtenir le rôle membre et ainsi avoir accès à tous les salons, lisez le règlement attentivement. If you don't speak French, MP-moi, so that I can explain to you. Oh, to see the other channel. Bon, bref. Et là, donc, ils disent ce qu'il faut pas faire, ce qu'il faut pas envoyer comme message, et utilisation du salon textuel. Info, quelques infos pour vous permettre de vous investir un peu plus dans le membre ou dans la communauté. Annonce suivie. Ce que je demande. Ce salon. Bah, moi, c'est fait, ils m'ont renvoyé le lien du règlement. Arrêtez de vous foutre de ma gueule. Ah non, suivez ce salon pour les informations concernant le Discord, le tournoi, etc. Rôle, pour les commandes de rôle général. Le salon principal, la discussion, rôle nul, même, vidéo stupide et autres promotions pour mettre en avant vos projets. Ah, faut peut-être dire qu'on l'a lu aux gens. Attends. Attends. Ah, oh, mes oreilles. Oh là, sacré la juge. Qu'est-ce qu'il y a? Comment voir tout? Attends, bah là je vais aller dans placard bot et je vais faire ça. Alors new okay. J'ai tu sais qu'on peut tomber en 1v1 sur Darwin Normal Game. Genre, je sais plus dans quel serveur faut aller. Et genre, il y a tellement peu de joueurs que tu peux tomber contre ton pote. J'ai lu le. Tu le. T'écris où? Attends, t'écris. Règlement. Bah, attends, tu vas voir. Mais. Compris comment on
accès. Non, c'est le placard-bot. Attends. Ah, c'est ce que je fais. Accéder. Ouais, mais faut pas écrire là. Oh. Salon. Attends, je vais aller en MP. Ah, tu dis pour moi aussi, hein, parce que comme ça, il le fera plus vite. Parce que vu que moi je suis un. Vu qu'on commence à deux, tu vois. Mais je vois rien aussi sur mon. Ok. Bah, ouvre les yeux, non? Bon, il 39 secondes et il a fini de télécharger le Darwin Project. Est-ce que t'es pas épaté par ma connexion? Moi, pas vraiment. Moi j'ai envie de te dire, je suis sûr à 2000%. Tu t'as pris 2 heures à l'installer. Non. 55 minutes. 30 minutes. Une onze à lumière. Putain, c'est grave ou pas? Le fait que je suis en train de chanter du Kid United. Les autres. Ah, ça se voit, t'écris trop vite, hein. Ouais, mais je vois rien. Mais il me renvoie règlement, mais tu veux que j'encule? Oh, y'a un battle pass au délire. Vous savez, bon, Darwin Project, c'est bon. Mais regarde. Ça me. Bon, allez, tu sais quoi, je vais lancer Darwin Project, c'est bon, ils m'ont zoomé ce fils de pute. C'est quoi ce serveur Discord? Darwin Project, alors déjà je vais faire F11 parce que j'aime pas qu'on voit ma barre. Ah, c'est un. Ils utilisent le même truc anti-cheat que Fortnite? Ouais. Ta gueule. Oh ouais, casque plutôt cool. Le truc il s'appelle plutôt cool. De quoi? On dirait pas c'est moi qui a créé les skins. Le truc il s'appelle plutôt cool. Dans quoi? Dans Darwin Project. Ah ouais, plutôt cool. Pourquoi je peux pas y jouer? Attends, il m'a mis un mot là, j'ai pas compris. C'est pas lu. J'ai pas compris. Attends, faut voir le mot qu'il m'a mis. Je suis sûr, d'une part, tu m'as mis un jeu, genre, moi mon PC il est beaucoup trop puissant. Ah non, c'est bon, il se lance. Bah si, il y a moi. On va dans private match. Non, en fait, il fallait juste que je le relance une deuxième fois. Ouais, ok. Ta gueule. Arrête. Faut que je kill des players. Des quoi? Des players. J'ai compris des plages. De base, je croyais que t'avais dit des plages. Mais bon, t'es un enculé, donc c'est normal. Continuez. Alors, next. J'ai pas envie d'écouter, il est pas beau. Shop. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le shop? En fait, j'ai rien, donc je peux rien acheter. Putain, ton daron le ramequin. Battle Pass. Alors déjà, c'est pas du tout Fortnite. Oh, il y a l'arc et la... Enfin, les deux premiers trucs là, du Battle Pass, elle est stylée quand même. Je sais pas, j'ai pas regardé en vraiment. Tu vas dans Private Match et je te dirai le code. Déjà, tu vas me laisser faire mes settings, oui. Je vais chou. Non, je rigole. Je vais juste te dire comment jouer. En fait, je cherche les options. Ah, ils sont là-bas en bas. Alors, ça a l'air pas mal. En gameplay, alors, clavier, souris, mousse, sensitivity. Alors, si c'est comme normalement, bah normalement, moi je le mets à 25 du coup. 25. Alors, avancer. Z. Droite, D, Q, courir, tac, s'accoupir. Attends, non, ah, c'était pas. Mets tes touches et tu me dis dès que c'est bon. C'est. Ah, y'a pas un truc pour run? C'est quoi ça, roll? Si. Roll, c'est quoi ça? Je sais pas. Viser. Ouais, pourquoi il y a un comme il a rejoint? Attends, avant, hein, sauter, courir. Ah si, courir, maintenir, oui c'est bon, non, c'est j'ai compris ça, accroupir, c'est bon, je suis un connard. Axe, attaque, viser, bon bref, non, normalement ça c'est les touches de base. Oh récolter. Non, par contre commence pas. Quoi? C'est mon jeu, genre avant il faisait tout le temps ça, il m'a expulsé des games.
Attends, ouvrir la route, fabrication, maintenir. Je mets quoi? Je mets A. Utiliser premier pouvoir. Oui, j'ai mis Alt. Ah, mais moi, Alt, c'est pour courir. Quoi? Bah, je crois que t'as bien entendu, enculé. Utiliser premier outil. Attends. Parce que moi, du coup, c'est pas 1, 2, 3. Mais t'es trop bête! Pourquoi? Bon, voilà, normalement ça c'est fait. Donc je fais quoi là? Private Mage? C'est quoi le numéro? Attends. Ta gueule. Non mais où? Il y a pas des parties autres que privées là? Si. Ah si, Play, j'avais pas vu. Putain, vraiment l'interface est bizarre. Hein. Est-ce que c'est moi le truc bizarre avec une tête de corbeau? Faut que j'aille jusqu'au level 5 et que je crafte un feu. Est-ce que c'est difficile à crafter un feu? Non. Ah, c'est bon. C'est quoi le numéro du coup? Faut écrire Vanna Placardbot, mais point I am membre. Attends, quoi? Placardbot, c'est où? Moi j'ai private match, mais j'ai pas Placardbot. Hein. Vas-y, je t'invite. Je le comprends bien, je serais du raconte. Ah, c'est bon. Hop. Putain. Jouer au jeu. C'est bon. Attends, dressing room. Je vais mettre un chapeau. Le chapeau plutôt cool. Attends, mais voilà, je peux pas quitter. C'est bon, je suis avec toi. Hein? Le truc, c'est pas badass, ça. Il s'appelle le truc, il s'appelle plutôt cool, mec. C'est une casquette. C'est plutôt sympa. Pas mal du tout. Tu penses que ça passe si je crafte un feu en private game ou je dois vraiment lancer faire en game normal? De quoi? Mes défis. Les défis? Ouais. Sur ça? Ouais. Ouais, c'est en. Ah, mais je crois que je suis pas mute. Comme sur Fortnite. C'est quoi ça le. Toi aussi, t'es pas mute. Je t'entends en double. Bah attends, je prends personnalisé. Codes, oui. Je prends personnalisé parce que je crois. J'espère que j'ai pas bugué. C'est quoi pour ce mute? C'était, je crois. Ah oui, c'est bon. Ah, good luck. Ah, j'ai une cape, donc je suis fier de moi. Et c'est quoi cette différence entre feu et tout et tout? Ben tu verras. Mais au départ, change pas ta roue parce qu'au départ, c'est trop dur pour que. Là, j'ai un bois. Non, ça se casse pas. Et ça m'a déconnecté ou pas? Non, dis-moi que non. Mais y'a quoi qui se casse? Attends, ça s'ouvre pas. Attends, la sensi elle est vachement basse d'ailleurs. Ah bah t'es mort. Je suis mort? Ouais. Pourquoi? Ah, je sais pas, ça a mis que t'étais mort. Je suis pas mort. Ah si. Ah quitte, ça m'a expulsé. Au pire non, je joue la game après. Comment faire un fire? Un fire, tu fais ben ton inventaire. Et ça sert à quoi? Bah ça sert à te réchauffer. T'as une barre normalement et genre. Ah oui, je viens de voir. Et tu rattrapes tu trouves des armes comment? Ben tu les as normalement. Genre avec ton clic gauche et une hache. Et avec ton clic droit c'est un arc, mais récupère tes flèches. Au début t'en as que 5. Ouais. Après, si tu changes le type de tes flèches, au départ, t'en as 0. Et les flèches, ça se craft avec un bois. En gros, quand tu vois des arbres qui surbrillent, et bah, faut que tu les coupes. Ouais, je sais. Ça, j'ai cru comprendre. Mais pareil, si tu vois des canapés, ça donne du cuir et tout, tu peux te faire des trucs avec. Ah, c'est bon, là, j'ai plein de trucs. C'est quoi, ça, la lumière bleue? Ça doit être un électronique.
pour crafter des items spéciales. Je vais essayer de lancer en solo pour que ça marche. C'est quoi ça? Ramasser composants électriques. Attends. Ouais. Pizza est prête. Ok. Ils sont stylés les skins. Mais moi j'ai pas beaucoup de ramen. Moi j'ai pas beaucoup d'endurance. Oula. En même temps faut pas que tu restes appuyé, genre faut que tu fasses des pauses et tout. C'est le seul truc chiant dans le jeu. Mais ça, ça fait une nouvelle méca, tu vois. Et c'est quoi la map? La map ben. C'est une map enneigée tout le temps. Oui, non, non, je sais, mais pour ouvrir la map, connard. Ah, il n'y a pas. Bah, il n'y a pas de zone. Bah, si, regarde en bas à gauche. Ah, si, ouais. Fermeture de la zone dans 52 secondes. Ah, c'est bon, je suis pas dedans. Et comment on fait pour craft des. Ça, c'est quoi? Pareil, inventaire et tu cliques sur les trucs. Aiguisoir. Comme par hasard, je suis pas avec toi, ça. Ah, normal, t'es un connard. Tu me dis dès que t'as fini et. Ah, ça, c'est un coffre. Bonjour. Ah, j'ai deux flèches. Donc là, je suis à 10 flèches. Ah, yeah, yeah. Ah non, c'est un Bambi. Oh le ridicule mec, il a changé, avant il était moche. Option. On peut le changer ou pas le ridicule? Gameplay. Je sais pas, j'ai pas regardé. Oh j'ai un armure. Mon armure augmente. Oh non, dommage on peut pas le... Au début, je me suis cru sur Fortnite, j'étais en train d'essayer de casser tous les arbres. Putain, j'ai ma touche qui bloque. Ouais, moi après celle-là, je vais manger, je vais couper le live. C'est bon. Ah. Comment? Après celle-là, je vais couper le live et je vais manger, je reviens après. Ouais, attends, parce que je vais baisser le truc. Ah, fila. C'est pas que c'est fort, mais c'était fort. Fil piège, j'ai. En fait, je crois que je dois descendre maintenant. En fait, j'ai la dalle en plus. C'est chiant, je croise personne. Il y a 7 survivants. Ah ouais merde, j'ai pas fait gaffe à la température. T'as vu là déjà tu fais des mécaniques que moi au départ je faisais même pas pour te dire. De quoi? Tu vois regarder. Enfin check défaut. Genre ça je le fais jamais. Par contre on va changer mon truc parce que. Ok j'ai des trucs rares mais. Comment ça se peut? C'est que ça. Comment ça se place les pièges à fil? Enfin, les fils pièges. Les pièges à fil, faut les craft et. Ah, je les ai, je les garde par rapport à la touche que t'as mis. Et je sais que tu peux les trouver. C'est pas du tout visible. Lune sanglante. Il y a une lune sanglante, c'est quoi ça? Lune sanglante, je crois que tu peux voir les gens et tout. Les gens qui sont dedans? Qui sont. Non, qui sont dans la. Dans. Tous dans la map. Oh, il fait des roulades mon perso pour passer à travers la fenêtre. Non, mon jeu, il a bugué dans un mur. Il est trop chiant. Ah ouais, je crois. Ah oui. Mais ils sont tous au même endroit, ils sont en train de se fight. Sauf que vu que c'est de la duo. Ils sont dans la zone là-bas. Il n'y a pas de dégâts de chute, si. Non, non, non.
C'est chiant. Je parie, moi je vais être un gros connard qui va essayer de construire un mur. Oh, par contre, si tu veux ça, mec, faudrait qu'on fasse un test de QI après. Si tu veux, si je fais ça. Vas-y, je vais les rush, hein, de toute façon que j'ai à perdre. Ouais, je finis. Il y a des loups aussi dans ce jeu. Non. Bah c'est quoi qui fait. Je les vois se battre. La zone elle ferme dans 50 secondes. J'en ai rien à foutre. Genre en vrai la zone elle fait pas des dégâts, elle fait du froid et après tu prends masse dégâts. Attends, en parlant de froid là je commence à avoir froid. Ouais, ils esquivent comme ça au calme. What? Mais je comprends rien de ce qui se passe. Wow, ils étaient trop chauds, laisse tomber. Le mec, tu sais qu'il a cassé quand même ma flèche en mettant un coup de... Ouais, un coup de hache, ça s'appelle les counters. Ah, 10 ramen. T'as gagné des ramen. Ah, no fan gift. C'est quoi ça? Ramène-toi. C'est quoi ça, un fan gift? Quoi? C'est quoi? Ah, c'est pour avoir des items. Enfin, des items, des... J'arrive! Putain, elle me casse les...